Hello tout le monde, voici Champion MCL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dawn of Gods. Aujourd'hui c'est la 7ème vidéo de Dawn of Gods, et plusieurs messages. Premièrement, j'ai monté le Panthéon au niveau 8, enfin. J'avais plus rien amélioré, plus aucune muraille à améliorer. Bon, on va évoquer ça. J'ai repris les invocations et toutes les quêtes. Pourquoi? Parce que niveau supplémentaire. Quelqu'un m'a expliqué un peu comment ça se jouait. J'avais pas trop le principe. Bon, je connaissais le principe général, là. Attaquer ça, mais les petites affaires, là. Ça, c'est une autre histoire. Non, je vais pouvoir améliorer ceci. Parfait. Bah, m'en débarrasser de 1. En faisant... Prenons lui. Je prends l'avance. 3. Et je ping celui-là. Tu vas directement là. Dommage. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une attaque et on va refaire le village. Oui, je vous dis ça, on refait le village. Bon, je regarde qu'est-ce qui est intéressant. Invocation quotidienne. Il m'en reste juste un de toute façon. Du rhum. Il est à 72. J'en ai 93, mais il est à 72. Alors, je vais attendre. Je vais attendre qu'il soit à 65. Ça coûte moins cher. Oublie, mais 66, mais 65. J'ai amélioré ça, mais maintenant je peux améliorer ce qui est dedans. Ah, ça fait du bien. Moi, je vais améliorer ça. Après avoir attaqué. Parce que nous allons attaquer. Bon, c'est quoi? Ok. Et des comètes, parfait. Partons une bataille. Après ça, nous allons attaquer pour avoir des honneurs. De l'honneur. Sérieux? Sérieux? 100% facile. Joins, j'espère, d'avoir 100%. Je vais même pas tout déployer encore. Le déploiement est lent. Okay. Mais vu qu'il n'y a pas de rempart qui obstrue le 100%, il peut bien être faisable. Il est très faisable. Moi je dis que j'ai 100%. Et vous? Il reste peut-être 4, 5 défenses, 6. Mais j'ai pas mal de troupes. J'en ai assez pour les détruire 100%. Vous voyez en plus. Oh! Une seule de parler pour rien. J'ai 100% facile. En vrai, j'en avais 7. Peu importe combien il y en avait. Et voilà. Il y en avait peut-être deux, mais il y en a un qui essayait de me détruire, qui était à l'ennemi. Moi, j'en avais juste un qui me restait. Et voilà. Et de un. Rattaquons. Pourquoi pas? Vu que je gagne, autant en profiter. Pourquoi pas? Avant de faire mon village. Oh, par contre, lui... Prédiction. Je l'ai pas. Est-ce que je vais avoir au moins 50%? Oh, ça fait mal, ça. Ça lag. Ça lag quand même pas mal. Mais c'est pas grave. Ça
Là, j'ai 22%. Mais je pense pas que je vais en avoir énormément. Est-ce que je vais au moins avoir 50%? Ça, je me le demande. Très bien. Très bien d'avoir 50%. J'ai une chance, par contre. Bon, avec souvent lui. Direct. Là, c'est direct sur un héros. J'ai tué 50%, le 2. Le 2 drapeau. Allez. J'ai un drapeau. Est-ce que j'ai le deuxième? Ok, c'est pas l'ennemi, c'est à moi. On dirait que je l'aurai pas le deuxième. Non. Dommage. C'est vraiment dommage que je ne puisse plus. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas avoir le deuxième drapeau. Il n'y a pas des sorts de foudre. Des sorts de foudre pour détruire. Dommage. C'était trop beau pour être vrai. Mais au moins. Mais au moins. Je peux attaquer. Espérons de pogner un village correct. Faut pas oublier que j'ai monté un panthéon. Faut pas oublier ça. Puis les villages pour en pogner les plus difficiles. Celle-là, je l'ai pas pantoute. Celle-là, c'est sûr et certain, 100%, je l'ai pas pantoute. Wouhou! C'est comme un panthéon au niveau 10-11, quelque chose de même. Rien fait. Je vais activer celui-là qui est détruit. Tant mieux, ça m'a aidé. Ça m'étonne. J'attaque un panthéon niveau combien? 10 ou 11? Et ça m'étonne vraiment. C'est sûr que son Ragnarok est pas actif. Mais quand même, ça m'étonne. Qu'est-ce qui m'étonne? Bon, je pense pas d'avoir 50%. Mais c'est. Ce qui m'étonne le plus, c'est que j'aurais pu avoir 50%. Bon, ça... J'aurais pu l'avoir. C'est ça qui m'étonne. Je sens que je vais changer un peu de stratégie. Avec mon village principal. Ouais. On voit la preuve, hein. Vous êtes témoin, là. Vous êtes témoin que mes guerriers sont efficaces. On va changer ça pour des guerriers. Et voilà, ma troisième invocation. Oh, un nouveau. Donc, j'ai pas, bien sûr. Et voilà. Là, qu'est-ce que je veux faire maintenant? On va faire ceci. On va aller dans plan. Modifier.
tout retirer. Et on va se laisser là. Et oui. Mais juste avant de vous laisser, j'avais prévu de faire quelque chose sur un Clash of Clans pour qui a été disponible dimanche, bien évidemment, dimanche dernier. En gros, c'était pour vous dire que j'ai été niaisé de pour honnêtement, j'ai été niaisé. Je dis rien de plus, je dis juste que j'ai été niaisé, je veux pas nuire à qui que ce soit. Mais je voulais faire une niaiser les personnes qui m'ont niaisé, mais il y a quelque chose qui a fait en sorte que j'ai pas fait. J'allais dire que, bon, pour ma chaîne secondaire, j'ai dit que j'arrêterais pour l'instant YouTube. Non, quitter, mais arrêter. Puis je ferai, je dirais, la même chose pour ma chaîne principale. La différence. Pour, là, vous pouvez penser que vous serez coupable, les personnes concernées. J'arrête vraiment la chaîne pour l'instant. Ça va dépendre. Là, j'ai baissé d'un abonné. Je suis à 22 au lieu de 23. Bon, ça, c'est pas grave. Au pire, je vais remonter encore à un moment donné. Je vais continuer les vidéos. Je vous dis, je continue les vidéos. Là, sur ma seconde chaîne, c'est pas à cause que j'arrête vraiment mes vidéos. Je vais continuer, mais j'attends un nombre de vues. Au moins une vingtaine de vues. Au moins. Comme ça, c'est 7 vues là, puis il est encore à 16 vues, hein. Juste pour vous dire, il est encore à 16 vues le Pokémon Go. Pas si c'est le fait que c'est la vidéo en tant que telle, mais il y a juste 16 vues. Si je fais rien, c'est parce que je vous parle, puis je me déconcentre un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Après d'avoir dire l'explication aussi, pour ma chaîne principale. Je voulais le faire avec vous, mon flash, mais je vais pas le faire entièrement. Je vais juste vous montrer le résultat final. C'est pour ça. Puis c'est très utile. Comme Word. Si vous avez une ancienne. Vous prenez une ancienne version de Word. Puis ça prend que du doc. Vous enlevez le X. Faites Enter, voici, c'est compatible maintenant. Compatible en Word, puis en 2003, Word, 2007, peu importe Word, il est compatible. Je cherche pas quoi faire, je cherche comment arranger ça. Oh! Pourquoi me casser la tête? 1175 murailles de niveau 7. Je vais faire ceci, je ne gosserai pas. Je m'attarderai pas à faire autre chose que ça. Là. Puis j'aurai plus de possibilités de faire un meilleur village encore. Et voilà, c'est bien plus simple de même de faire un. De mettre en trois. Bien plus simple. Et voilà. Mais en revenant avec la chaîne, le 31, ça va être la vidéo des meilleurs moments. Je sais pas c'est le combienième, mais ça va être les meilleurs moments le 31. Vu que j'ai décidé ça l'année passée, que ça serait à chaque fin de mois. Ou soit au mois ou aux 2 mois, tout dépendant. Puis ça va inclure bien évidemment les deux chaînes. Ouais, j'ai pas mal de vidéos à regarder. Si vous regardez uniquement cette chaîne, puis vous voyez d'autres affaires, et donc vous regardez Minecraft, vous aimez Minecraft, regardez mes vidéos Minecraft, vous disiez, et que vous dites, il me semble que j'ai pas vu ça, me semble.
C'est bien normal. Je vous dis tout de suite, c'est bien normal. Posez-vous pas la question, c'est normal. Voilà. J'espère que ça va être mieux que mes villages de Hôtel de Ville Nouveau-Vieux à Clash of Clans parce que on sait que c'est difficile de faire un bon village Hôtel de Ville Nouveau-Vieux. Moi j'ai de la misère avec le niveau 8. Niveau 9 il est très bon. Mon village à niveau 11 il est bon. Ouhou. Parfait. Puis la raison à laquelle que j'ai changé d'avis. C'est une raison pourquoi j'ai changé d'avis. J'ai enlevé la vie, ce bout-là au complet. Bien évidemment. La raison est. C'est pourquoi. Quelle raison j'ai fait ceci? Tout simplement parce qu'il y avait le jeu animé. Faut pas oublier. Le jeu animé dont je n'ai pas été parce que j'ai pas de taux. C'est quand même à Gatineau. Gatineau, c'est à côté d'Ottawa qui est à quelques heures de Montréal. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus loin que moi. C'est sûr. Mais quand même. Puis. Miraculeusement, oui et non, parce que Sellers me commentait une vidéo. Ouais, donc bien évidemment, celui qui était concerné pour lui, mais quand même, il me commentait la vidéo. J'ai commencé à rester surpris. Ok. Puis c'est plate aussi de ne pas avoir été au jeu animé. J'aurais pu voir Bob Lennon. Dommage. Il y a quelqu'un qui me fait des commentaires. Je sais pas qui. Bob. Il a fait une petite courte vidéo avec Bob Lennon. Oh, j'aurais pu. On aurait pu faire quelque chose ensemble avec Bob Lennon. Non. Ouais. Mais. C'est pas grave. Espérons qu'il va revenir au Québec, Bob Lennon. Puis à Montréal. S'il vient à Montréal, là. Même si je suis pas invité à l'événement à Montréal, je vais le voir, je paye pour aller le voir. Je m'en fous. Steelers, j'ai encore d'autres occasions de le voir, là. C'est pas comme si j'aurais pas l'occasion. Il est au Québec. À la base, il est au Québec. Je suis au Québec, à Montréal. Lui, je sais pas où. Mais quand même, il est au Québec, je suis au Québec. J'irai le voir à un moment donné. Je vais faire une ellipse, genre on revient après que j'aille terminer le village. Alors je vous dis, ellipse. On est de retour sur Dawn of God et j'ai terminé le village. Et le voilà. Je ramasse ça bien évidemment. Vous pouvez toujours rejoindre cette alliance. L'alliance se nomme les dieux, tout simplement. You. Oh, il est là? Ah non, c'est pas ça. Il est rendu où? Ah, c'est vrai qu'il est là. Et voilà. C'est ça qui est. C'est comme ça qui est écrit. Bon, je pourrais dévo. Ouh. Je préfère bien les choses, hein. Ça, c'est sûr. Puis ça coûte cher. Mais vraiment cher. Eh ben, ça coûte plus cher avec mon autre village. C'est ça qui en est avec mon village. J'ai changé le concept au complet. J'ai pris un peu le concept de mon village. Mais vraiment de mon village. Mon premier. Bon, on va aller voir combien que je suis. Sûrement, quand même assez loin. Ouf. Ok. Ah, c'est vrai que. Bon, je suis même pas là-dedans, mon second village. Ah, je suis juste 67e. Ah, oh, c'est pas si pire. C'est pas si pire, pas en tout. Faut jouer les meilleurs, les 200 meilleurs au Canada. Sachez que j'ai monté de
5 abonnés hier, mais j'en ai perdu un. Il était à 183 avant hier. Hier, je regarde une rangée chez moi. Ah. J'ai pas réalisé sur le coup que j'avais 188 abonnés. Je regarde, sérieux? J'ai vraiment 188 abonnés. Un peu plus tard, quelques heures plus tard, je revois 187. Mais c'est pas grave. 72, ça coûte cher. Je peux faire mon refaire mes invocations. Oh, c'est pas magnifique cette affaire-là. On va se terminer avec une attaque. Artemis. Allons-y. Bon, juste avant, je vais me faire une petite ellipse. Je vais prendre un bon village. Je vais magasiner mon village ou tout simplement prendre celui-là parce qu'il y a là quand même pas ce pire. Toujours ça. C'est ça que je me disais aussi. Je sens que je risque de prendre le même village. Faut faire attention à ces aux quatre coins. Quand ça peut être traite. Mais allons-y. Bon, au moins je pense bien d'avoir un 50% pour une bannière. Au moins. On va enlever pare-feu. Faut pas trop attendre, on dirait. Bon, on peut attendre, mais. Ça donne rien d'attendre. Autant y aller directement. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là quand ils pourraient attaquer ça. Pouf. Pas grave, j'ai un 100%. Faites ce que vous voulez, mais j'ai un 100%. Non. C'est ça l'intelligence artificielle, hein. Ça fait n'importe quoi. Comme la dernière chose qui va être attaquée, ça va être ce coin-là. Oh mon Dieu. C'est n'importe quoi. Bon, enfin! Je décide. Après, je sais pas combien de temps. T'aurais pas pu y penser bien avant. Ça aurait été mieux bien avant que là. Bon. Malgré mieux vaut tard que jamais. Pour trois bannières. Trois drapeaux. Ça s'appelle des drapeaux. Je sais pas combien de temps que ça m'a pris pour savoir le nom. Oh, j'ai mon truc de ligue. Hoplite. Ah, parfait. Est-ce que j'ai déjà monté Hoplite puis j'ai redescendu de ligue? Bon, peut-être. Je sais pas. Je peux refaire les autres tentatives. Dites-moi en commentaire comment vous pensez. Vous en pensez de mon village, de mon nouveau village. Et voilà. Ici, c'est le Panthéon. Les trois mains divines sont là pour essayer de pogner une bonne circonférence. Ainsi que ça. Comme ça, quand ils vont venir, ils vont se faire pogner. Et d'aplomb. Ça, c'est une petite décoration. Au moins, ça comble un trou. Au moins. C'est ça. Avec l'autre méthode, je sens que j'aurais été coincé. Pas que j'aurais été coincé, mais. Je sens que ça n'aurait pas été efficace. Tandis que là,
C'est quand même assez condensé. C'est pas. Bon, j'avoue que ça, c'est un. Ceux qui sont là, un peu mal formés, facile. Une fois entrés, je pense, ils vont pouvoir détruire ça. C'est pour ça que j'ai mis des pièges aussi. Ceux qui sont. Ça, c'est un qui sont en 1. Je sens que le point faible, ça va être surtout ça. Le nord. Mais en bas, ici. Le problème, c'est les murailles. C'est à peu près ça. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google+, Twitter, car tout le monde est bienvenu. Dernière chance pour répondre au sondage de mi-vidéo. Pour que ça soit une vue. Pour est-ce que ça reprend une vidéo 3 jours, une vidéo par semaine ou à mon rythme. Je pense bien que vous serez d'accord avec moi que une vidéo par semaine, je pense qu'on peut oublier ça. Ça prend 16 votes. À date, j'ai que 6 votes. 16 votes pour avoir votre appui. Sinon, c'est moi qui prends ma propre décision. Si j'ai pas 16 votes, je prends ma propre décision. Alors, je vous dis merci à tous.